Salut! La grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous tous et toutes. Je m'appelle Richard Bott. Je suis le modérateur de l'Église Unie du Canada. La saison du carême commence avec un jour spécial, le mercredi des cendres. Traditionnellement, pendant la célébration liturgique ce jour-là, il y a un rituel où une croix de cendre est faite, sur le front ou sur la main. Nous appelons cela l'imposition des cendres. Quand le ou la pasteur fait l'imposition, il dit souvent « Tu es poussière et tu redeviendras poussière ». C'est un rappel qu'à un moment donné, tout se termine. La poussière, la croix, ce sont des memento mori, des moments où nous sommes appelés à nous souvenir de la réalité de la mort, non seulement en général, mais aussi de nos propres morts individuelles. Morbide, hein? Mais bizarrement, ce n'est pas morbide. Dans la foi, tout est renversé par le message de la force de la résurrection. C'est une célébration de la vie, même dans la reconnaissance de la mort. Dans un monde qui semble être poussé par la peur, dans un monde où le désespoir semble grandir, dans un monde de crise climatique où les dirigeants mondiaux semblent vouloir créer des tensions et des conflits. En tant que disciples de Jésus, nous pouvons être des gens qui vivent l'espérance. L'espérance en Dieu, l'espoir pour les voisins, l'espoir pour le monde. Pour ces 40 jours de carême, je veux vous demander de vous joindre à moi pour célébrer la vie chaque jour. Je veux vous demander de vous joindre à moi pour transformer le monde. Je veux vous demander de vous joindre à d'autres disciples de Jésus pour croire en la vie abondante que Jésus nous a promise, et pour être des gens qui portent cette espérance partout où nous allons. Sentez la cendre sur votre front ou sur votre main, et souvenez-vous non seulement de votre mort, mais souvenez-vous de toute la vie que vous êtes appelé à vivre. Dans la vie, dans la mort, dans la vie au-delà de la mort, Dieu est avec toute la création. Alléluia.